Dont vous allez vouloir l'arbitre téméraire qui exagère, qui déblatère et qui punit à tout vent notre arbitre pour ce match, M. Marc Noura. Dernier match avant le dîner. Yeah! Les Griffons d'or, les Éclairs. Bon match aux deux équipes. On commence ça très vite.
La première improvisation serait une improvisation mixte. Thème par ici le pétrole. Par ici le pétrole. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, d'une durée de 2 minutes et 45 secondes. Caucus. Alors, une improvisation mixte qui commencera ce match avec le thème par ici le pétrole, catégorie libre, 2 minutes et 45 secondes. Alors, le pétrole, que l'a-t-il de la destinée? Tu veux m'aider? Moi, je suis environnement. Environnement? Oui, environnement. Tu comprends c'est quoi l'environnement? Non, pas du tout. Bon, tout ce que je dois te dire, c'est que ce que tu cherches là, oui, c'est pas bon pour nous. Ok, je comprends et ça. Et ensuite, il y aura des feux et puis on va brûler et puis on va mourir. Et je comprends ça, mais moi, j'ai besoin de l'argent. Je dois une dette de 1 million de dollars. Tu sais c'est quoi 1 million de dollars? Non, j'ai jamais eu 1 million de dollars. Oh. 1 million de dollars. Les poches sont vides, monsieur. Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? J'essaie de trouver le pétrole. Ça te va te donner de l'argent? Oui. Tu peux les prendre? J'ai une pelle ici, j'ai deux pelles pour toi. Tu viens juste dire que c'était mauvais, maintenant tu m'aides. Quoi? Tu m'en veux pas de ça. Je pense que tu imagines les choses. J'imagine. Alors, faisons! Pas de problème. Allez, pas de problème. Normal. Tu sais quoi? Pelle, c'est pas très vite. Avec mes mains, c'est plus vite. Tu fais quoi? Je... Comme ça? Comme ça? Non, mais quand? Il faut aller doucement. Doucement? Parce que ma mère m'a toujours dit que quand tu cherches l'argent, il faut et aller. Ben voilà, bien fait, bien fait. Regarde ces deux vagabonds. C'est entré. Vagabond? Ah oui, 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 madame, attendez. Madame, nous sommes des hommes d'affaires. C'est à elle que je dois un million de dollars. Monsieur. Madame, il y a un homme d'affaires. Moi, je n'ai rien à faire avec lui. Monsieur Bertrand, tu sais quelque chose? Je me rappelle de vous. Vous me donnez 1 million de dollars. Où est mon argent? Où est ton argent? Ça, c'est mon jumeau. Ok. Oui. C'est lui, monsieur Bertrand. Alors, vous allez séparer ça en deux, hein? De quoi tu parles de séparer ça en deux? Ça, c'est son problème à lui. Moi, j'ai un autre problème. Je me rappelle sur la feuille, ça dit bien monsieur Bertrand ici. Oui. Elle a la feuille. C'est votre nom. Mais vous êtes accomplice. Moi, tu es complice, mon gars, toi aussi tu vas souffrir. Voilà. Madame, je suis choqué que tu m'accuses d'un tel crime. Choqué. Regardez, monsieur, c'est simple. Vous madame, allez ici, je m'en madame, fous. Madame, vous m'avez insulté. Je m'excuse, madame. Comment? Je m'avais insulté. Ok. En disant que je vais chercher ça. Ça, c'est ce, quoi? Ce malheur. Oui. Jamais. Jamais, madame. Mais, quand je suis entrée ici, madame, j'ai vu vous deux en train madame de creuser pour le pétrole. Non, mais madame, moi, je qui a dit qu'on creusait? Qui a dit qu'on creusait pour le pétrole? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelqu'un ici a-t-il le bon sourire scintillant mille en vain, scintillant si trois pénalités ont été données par l'arbitre pour cette première improvisation. Chaque équipe aura un retard de jeu et en plus, Norval Morisseau aura une confusion. Bouh! C'est pas moi, c'est l'arbitre. Mon cher Albert, pour le bien des deux équipes et de la merveilleuse pour pourquoi as-tu eu cette pénalité de confusion? Confusion? Ok, au début du match, votre joueur était en train, on avait construit une histoire, puis il avait mentionné quelque chose à propos d'un tel personnage. Tu jouais un personnage au début,
tu étais un environnementaliste, mais là tu es allé l'aider. Puis là tu dis que tu es en train d'imaginer des choses, c'est juste vraiment confus dans le rôle que tu jouais, c'était pas clair. Qui est-ce que tu voulais être? Puis j'ai pas nécessairement vu la transition entre les deux personnages que tu voulais jouer. Ça va? Est-ce que ça répond aux questions? Merci. Sur ce, on passe au vote. Main fermée, main ouverte. Point, Gryffondor. Je t'en mets une lire, même si on pointe à la rame. Parce que les chocos sont ici à la main en disant c'est pas ta faute. Voilà, tu n'as pas besoin, tu dois chanter. La langue du futur, bref, dans le français. Reste bien dans l'angle rendu rétroviseur de l'assimilation. Parmi la nation, du peuple francophone. Quand on se parle, c'est plus dur. Par exemple, dans les couloirs du château de l'Angleterre, je veux dire que dans le presbytère, je veux pas qu'on se bat. Juste par les Français, dans tout le Canada, bref, dans mon pays, c'est ça aussi. Donc enlève ton nom si t'aime de minorité ici, nous l'avons bâti aussi. Avec la radio, tu m'en rappelles, avec la radio, tu m'en rappelles. La prochaine improvisation serait une improvisation comparée. Thème maudit raton. Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière d'un roman policier. À la manière d'un roman policier, maudit raton, durée 2 minutes et 15 secondes. Focus. Alors, la deuxième improvisation sera comparée. On sera une improvisation à la manière d'un roman policier. On sera le nombre de joueurs illimité et d'une durée de 2 minutes 15 secondes. Et le thème de l'improvisation à la manière d'un policier sera maudit raton. Comme je suis un homme, et toi une femme, ce soir je t'aime de tout. La chanson me monte à la bouche, la vision. La vie remontable, ton corps, je pense. Tes yeux disparaissent, et tu dis accès à la musique. Je me donne. Passe. Flamme. À la manière d'un roman policier, version Norval Morisseau. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça a été volé. Ici, il y a eu un vol. Ouais. Cette place a été ravagée. Regarde, même ici, il y a des empreintes. Ouais. Tu sais qui l'a fait? C'est la signature des rats. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on les trouve. Ça fait trop de fois qu'ils font des choses comme ça. Sérieusement, c'est la cinquième fois cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est aller chez eux. Tu veux qu'on rentre chez eux? Oui, mais ensemble, on va réussir. Tu sais comment dangereux ce serait? Je sais, mais on peut le faire. Ok. Juste nous deux, mais il faut faire attention. Ok. Ok. Arme-toi. C'est ça, la maison. Yeah. Ok. Est-ce que tu entends quelque chose? Oui. Regarde à la porte. Va regarder. Toc, toc, toc! Que faites-vous là? Mettez vos mains dans les airs! Ah! On a des bras. C'est un peu offensif, je peux t'entendre. D'accord. On a les droits égaux. Je t'ai l'expliqué, tu mets les menots. Vas-y. Vous êtes amateur? Non. Mets les menottes. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils
sens ignorant. Oh. Je me sens mal pour eux. Oh. Regarde, ils sont tellement mignons. Oh, ma fille. Ah. Ok. Menottes. Ok. It's okay. Ouf. Oh, ça c'est fait. Merci. Bien sûr. Ronald Marion. Regardez. Viens me dire votre thé. Le thé? Oui. Ok. Tu veux le thé? Le thé. Ok. On a plus le thé. Pourquoi? Tu l'as tout bu. Mon petit raton. Écoutez-moi, est-ce que vous avez trouvé les indices pour l'enquête sur le raton? Vous vous souvenez? Les ratons, voilà. Le tueur international, le raton. Raton? Vous vous souvenez pas l'enquête? On est, j'enquête des ratons. On est en train d'enquêter sur cette investigation depuis 2 ans. What? Vraiment? Moi, je ne fais pas. Ok, on commence. Vous avez quel âge? Vous êtes amnésique, hein? Non, j'ai pas entendu. On se calme, on regarde. Où est-ce que les ratons se cachent? Les ratons se cachent dans des forêts. Dans des forêts? Non, non, non. Dans les nids d'oiseaux. Oui, ça fait du sens, Jean. Nids d'oiseaux, de ratons. N'est-ce pas, il se cache dans une maison, quand je suis dans une maison. On regarde, on se met dans les nids d'oiseaux. Vous avez votre diplôme secondaire? Oui, venez, on le regarde dans les... Et vous? Ok. Bien sûr. Oh, c'est bien, c'est bien. J'ai trouvé un nid d'oiseau. Ramène-le. Ça a l'air d'avoir des traces de raton. Tu la vois? Traces de raton. C'est quoi ça? Hé, c'est du thé. Du thé? Il a volé notre thé. Le raton a volé votre thé? Oui. Il est très intelligent, ce raton. Hein? Oui, je sais. Mais ça ne regarde pas comme le voyez, ça regarde comme le chacun. Où est-il allé? Je ne sais pas. Ok, on les suit. Vous avez votre loupe, le détective? Non. Wow! Ça va pas faire, j'ai vu la seconde. Trace de pas s'arrête ici. Trace de pas. Il a sûrement sauté une petite fois sur cette arme. Ok. Donc, on peut dire. Oh! Tu peux monter! Pourquoi? Ça c'est mon thé. Tu as volé de ma maison et tu prends mon thé. Bande de chanceux, vous n'avez aucune punition pour ce que... On passe directement au vote. Main fermée, main ouverte. Point, éclat. Point, éclat. Et maintenant, tu dis encore une fois, si tu n'as pas de musique, tu dois chanter. L'improvisation serait une improvisation mixte de thèmes. Le temple sushi. Le temple sushi. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre d'une durée d'une minute et 45 secondes. La prochaine improvisation sera d'une durée d'une minute et 45 secondes. Elle sera mixte. Le thème de le temple sushi. Le temple sushi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ok.
Est-ce que vous êtes ici pour m'aider? Pour t'aider? Oui. Je dois t'aider. Oui, on est en train de construire un temple près de Sushi, pour le dieu de Sushi. Oh, moi je croyais que je devais faire des choses ici. Je savais pas qu'il fallait construire. Oui, on fait du sushi qu'on va utiliser pour construire le temple de Sushi, ok? Ah, donc je construis. Ouais. Non, je fais les sushis, puis toi tu construis. Ben, les sushis sont utilisés comme des briques pour les construire. Depuis quand? Depuis qu'on a un dieu de sushi. Oh là 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 là, je dois appeler mon ami tout de suite. Ouais! Amir! Hey! Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mais je viens juste de réaliser qu'il y a un dieu de sushi. Un dieu de sushi? Oui! Jamais entendu parler de ça. Oh, viens ici tout de suite. Ouais, j'arrive. Hey, mon ami! Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle vient juste de me dire qu'il y a un dieu de sushi. Un dieu de sushi. Et qu'on doit créer un temple avec des sushis. Ouais? Comment tu pries au dieu du sushi? Ben, premièrement, il faut avoir un temple pour prier. Hey, allez, allez! Comment tu fais du sushi encore? Oui, j'ai oublié. Ben, t'as le riz, t'as le poisson, et t'as les algues, et tu l'enroules, une et question. Tu le coupes, et tu l'empiles. Une question. Oui? Qu'est-ce qui passe en premier? Le poisson? Ben là, moi je me fâche, hein? C'est quand vous allez construire mon temple de sushi, ça c'est un dieu! Oui, c'est un dieu! Dieu. Avec ma vie ne me glorifie pas. Oh les dieux, je commence à me fâcher là. J'ai trop peur. Mais c'est une vie qui... Merci. L'arbitre a sévi avec deux pénalités à Ronald Marion. Une de retard de jeu et une terrible d'anglicisme. Cher monsieur l'arbitre, que le bien de nos deux équipes est de la merveilleuse. Okay, très simple. L'anglicisme. Pendant votre caucus, il y avait un ou deux joueurs qui parlaient entièrement en anglais. Je vous ai donné un anglicisme. Très simple. Deuxième retard du jeu, quand votre joueur est rentré pour commencer l'improvisation, il a commencé avec la phrase qu'on n'aime jamais entendre. Bonjour, comment ça va? Pas nécessaire, ça fait juste perdre 15 secondes de l'improvisation, puis ça retarde l'improvisation puis l'histoire. Ça va? Mm-hmm. En plus, M. Olivier l'avait dit à la cafétéria quand on est arrivé le mercredi. Je m'en souviens. Sur ce, vote! Main fermée, main ouverte! Serait une improvisation comparée. Le thème regarde au plafond. Nombre de joueurs illimité. Catégorie dramatique. Durée 3 minutes et 30 secondes. Ça va faire mal. Alors, ce sera le terrain long et dramatique de 3 minutes 30 secondes, donc de joueurs illimités. Elle sera comparée. Le thème est le regard au plafond. Alors, je vais en profiter pour vous rappeler à tout le monde
montre que durant le dramatique, on recherche les vraies émotions. On recherche des émotions pures. Sortez vos histoires. Regarde au plafond pour 3 minutes et 30 secondes. C'est bizarre sans toi. J'ai plus de personne à qui parler. C'est vraiment silencieux dans la maison. Il y a des journées, je me dis, il y aurait peut-être une autre façon. Il y aurait peut-être plus une façon d'éviter tout ça. Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste... C'est peut-être parce que je manque. Tu me manques tellement. Et toi, chérie. Je te jure. J'aurais peut-être pu éviter cet accident. Mon fils, il fait 2 ans. Tu dois la laisser partir. Je peux pas. Elle t'aime. Et tu l'aimes. Et tu dois être content. Elle le voudrait. Réellement ça. Oui. Je comprends. Je me sentais de la même façon quand j'ai perdu ton père. Mais tu vas en penser. Je vais aller te faire du thé. Merci, maman. Elle a peut-être raison. Faudrait peut-être que je pense plus loin. Je sais que pas longtemps que j'ai perdu, mais je pense que tu devrais commencer à sortir un peu. Tu sais, lève-toi un peu, respire, allez, on va s'amuser, allez, lève-toi. C'est quoi le point sans elle? Tu sais, elle aurait adoré si tu te vois sourire, juste un jour. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sourire. Souris pour moi, ou souris pour elle, au moins. Viens, viens, on va sortir ensemble. C'est quoi la vie sans elle? La vie sans elle, c'est... Je peux pas t'expliquer, mais je peux pas ressentir l'émotion que tu sens. Mais je te dis que la vie, ta vie, est encore remplie de bonheur. Et puis ce bonheur-là, c'est son esprit qui t'encourage à vivre ce bonheur. C'est ma sa vie est terminée, mais la tienne n'est pas. Arrête de regarder au plafond et va avec ton ami. Allez. Je t'aime. Je t'aime. Je m'ennuie d'elle tellement. Bon. On va aller faire du ski. Je m'ennuie d'elle. Parle-moi d'elle. Dis-moi comment elle est. Toujours souriante, elle était toujours la chose qui me gardait toujours sourire quand j'avais toujours une mauvaise journée. Son sourire. Son sourire était tellement. Quand son mémoire dans ta tête, son sourire, et toi tu souriras aussi. Rappelle-toi qu'elle, elle voulait que tu souries. Version Riffondor. Que ce plafond me rappelle une mémoire. Je me rappelle la première fois que j'ai pu voir mes parents après avoir été aveugle pendant tant d'années. C'était la plus belle chose qui m'est arrivée, de pouvoir vraiment voir la personne
ou les personnes qui se sont occupées de toi pendant tant d'années. Ma mère, ses yeux qui brillaient de larmes, mais de bonheur. Mon père qui voulait, qui ne voulait même pas pleurer, mais il essayait. Grandir avec des parents qui ont tant souffert après que tu as été aveugle n'a pas été facile. Ils se blâment du fait qu'ils n'ont pas pu te protéger. Ce n'était pas de leur faute. Ils faisaient de tout leur mieux. Je me rappelle aussi la première fois que j'ai aimé. Je me suis tout de suite fait briser le cœur. Plafond. Pourquoi me rappelles-tu de tant de mémoires, de mauvaises mémoires? La fête où j'étais partie pour ma meilleure amie, où elle m'a dit qu'elle ne veut plus être mon amie. Parce qu'elle ne me trouvait pas belle. J'étais pas sociable. C'était l'enfer. Mais j'ai pris du courage. J'ai persévéré. J'ai continué. J'avais pas le choix. Je remettre un sourire aux lèvres pour continuer pour mes parents. Le jour où ma mère a eu un accident de voiture, mon monde a écroulé. Il a écroulé parce qu'elle était la base de ma vie. Elle était tout pour moi. J'ai regardé mon père se noyer dans les larmes, dans tout ce qui ne se fait. Dans tout ce qu'il ne pouvait pas. J'ai pas pu résister. Serait-ce occupée. Peut-être à la prochaine. Tu es correct? Bien sûr. Toujours. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu penses toujours de maman et papa? Bien sûr que je pense à eux. Ouais, c'est très triste comment ils ont fait beaucoup et beaucoup pour toi. Et puis, quand tu as pu voir le monde, ils sont partis comme il n'y a plus de support. C'est quoi? Elle est morte parce que je lui ai demandé d'aller prendre quelque chose d'extérieur. Tu sais, c'est très simple de se blâmer, mais vraiment, on n'avait pas beaucoup de contrôle sur cette situation. Et je suis toujours là pour toi. On fait danser l'arbitre tellement qu'on n'a pas de punition pour ces deux belles. Sur ce, on passe au vote. Main fermée, main ouverte. Yum, 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 yum
Ceci sera la dernière improvisation pour ce match. De plus, j'ai dans ma main une crayon. Sera Suisse. Suisse. Comme la Suisse? Comme Suisse. J'adore les Suisses avec leur fromage exquis. Oh, t'as juste envie de hurler quand t'es sur une montagne comme un cinglé pour une raison inconnue. Oh, mais le meilleur, c'est quand que tu cries. Mais le pire, c'est quand tu dois grimper la montagne à peu près quoi? 20 mètres, 40. Mon petit kilomètre de haut, tu dois grimper ça avec quoi? T'as juste une journée à grimper ça! Ah! Je te jure, je me suis arraché les cheveux que je me suis tellement énervé! Je te jure, ma mère m'appelle en plein milieu de la montagne. Hey, comment ça va, Cyril? Je suis en train de grimper une montagne! Joueur numéro 2, ton thème sera Brie. Brie, comme le fromage. Bonjour monsieur. Ah oui, ben pardon. Oui. Je veux un hamburger avec du brie. Et juste un peu de haricots parce que j'aime aller à la toilette. Le brie comme briser une fenêtre? Voulez-vous que je vous mette des morceaux de vide dedans? Non, brie comme britannique mais sans le thé. British? Oh, vous êtes british, mon cher. Ah, je vois. Vous, donc, vous voulez avoir une tasse de thé aussi? Je suis british. C'est pas british. C'est quelqu'un qui est british. Tu veux ta tête? Ok, figé. Joueur numéro 3. Ton thème sera bleu. Bleu. Hein? Toi aussi! Qu'est-ce qui arrive? Vous avez des bleus partout. Non, c'est peut-être parce que quelqu'un a essayé de m'en fondre. Peut-être parce que quelqu'un a essayé de me rouler par-dessus avec une voiture, je sais pas. Il a essayé de me lécher la main. Ok! Quoi? Hein? Vous devez arrêter de vous battre. Vous êtes en train d'avoir des bleus, des blessures. On va devenir un schtroumpf, ok? Oh, tu veux être un schtroumpf? Veux-tu être un schtroumpf aussi? Non, moi, je veux devenir détective. Ben, monsieur le détective, ils ne prennent pas des personnes comme détective si tu conduis des voitures sur d'autres. Joueur numéro 4, ton thème sera transformation ultime. Transformation ultime. Transformation ultime. Ok, donc, je m'ai trouvé une belle salle et maintenant je dois transformer pour que je puisse organiser ma fête à l'intérieur de ça. Donc, mon équipe de fromage, donc, Suisse, je crois, puis bleu et puis brie. Ouais, est-ce que vous êtes par-dessus tout ça? J'avais demandé de 5 morceaux chaque pour ma fête. Fais 6 pour moi. Pardon? 6. Parce six. Que je suis mieux que tout le monde ici, donc je dois avoir 6. Ah, ok. Il y en a qui sont les mieux. Ils sont toutes
tête de fromage. Allez voir. Donc, avez-vous vu la salle? Mon idée, c'est que, comme transformation ultime, on peut juste mettre du fromage. On peut les applaudir, restez fidèles. Joueur numéro 1, ton thème était Suisse. Oh, regardez les petits Suisses, ils courent partout. Ah ouais, aussi. Comme attends, Pélé, on doit aller. C'est, j'ai entendu dire que c'est très bon sur le barbecue. Ah, ah ouais. T'as ça, il fait cuire ça sur une brochette, c'est excellent. Ok. Ça peut être attrapé. On saute. 1, 2, 3. Ah! Est-ce que j'ai l'air? Non. Il s'est échappé. C'est non. Attends. Non, mon pantalon. Les gars, mon pantalon. Attends, j'ai une idée. Oui. On doit devoir faire du barbecue avec lui. Quoi? Écoutez, délicieux. Non. De sortir là. Merci, joueur numéro 1. Le reste figé. Joueur numéro 2, ton thème était Brie. Oh, excuse-moi, chef. Oui? Est-ce que le Brie était pourri? Un Brie pourri, ben. Possiblement, tout ce que tu as vraiment besoin de faire, c'est couper la pourriture et le reste, c'est correct! J'ai payé 3$ pour ça. 3$. Ah. Tu peux m'acheter un bonbon à $1 à moi. Ok. 3$ pour... tu avais dit quoi? Pour du bruit. La chose, c'est que le bruit, c'est comme un peu plus cher que 3$. Donc, si tu veux un qui est de bonne qualité, et non pourri. Je crois que tu dois payer un gros montant de 5$. $5. Ouais. Donc, c'est drôle, $5. $3 pour du bruit pourri. Merci, joueur numéro 2. Joueur numéro 3. Ton thème était bleu. Oh, regarde à cette chemise est bleue. N'est-elle pas belle? Wow. Ouais, incroyable. Je sais. Tu sais, ça irait parfaitement sur toi. Vraiment? Tu ouais. Crois vraiment? Une chemise bleue avec tes yeux bleus et cette chaise bleue et ta salle, ta chambre que t'adores qui est bleue, irait parfaitement. Mes yeux sont pas bleus. Que? Ben, c'est ce que ça devrait avoir. En tout cas, la réflexion de tes murs fait tes yeux bleus. Ah, c'est... Donc, quand même, je vais l'essayer. Peut-être. Ouais. Ouais. Ben, c'est ta couleur préférée. Bleu, c'est ma couleur préférée. Vraiment, t'as besoin d'explorer plus de couleurs. Autre que bleu? Ouais, ok, bleu, il y a un... Merci, joueur numéro 3. Joueur numéro 4, ton thème était transformation ultime. Mon Dieu, après que j'ai échoué la semaine, je dois me transformer. Je dois devenir quelqu'un différent pour mieux faire. Oh, je dois trouver des idées. Ok, donc peut-être penser à peut-être faire mes devoirs, non? Allez, devoirs. Quoi d'autre? Peut-être brosser mes dents le matin? Ouais, brosser les dents. Je peux parler à plusieurs personnes quand je brosse les dents. Numéro 3, quoi d'autre? Peut-être si je me lève le matin et puis je me rends à l'école. Je vais faire un peu mieux, non? On t'applaudit! Alors, ma comptabilisation, c'était la dernière improvisation, alors je demanderai tout de suite aux deux équipes de commencer un caucus pour identifier une étoile de l'autre équipe. I'm gonna make you mine.
Oui, bonjour, merci. Alors, il y a eu effectivement des pénalités. Il y a eu un décrochage du côté de Norval Morisseau et une confusion du côté de Ronald Marion. Merci. Des questions? Excellent. Sur ce, on passe au vote pour la dernière fois. Main fermée, main ouverte. Alors, je demanderai, oui, je demanderai maintenant au capitaine des équipes d'aller chercher l'étoile de l'autre équipe. Ah, voilà, bravo numéro 9 et bravo numéro 7. Et peut-être que notre arbitre a aussi une petite surprise pour nous. L'étoile de l'arbitre. Alors, merci à tout le monde. Roulement de tambour pour le pointage final.